Good morgen, allez, Idan, let's just rejoindre le Lunish Matam Ramiona, Ben Hana Begi Batester Nissim Ben Aouda, et aussi Nerfat Rout Bat Claudine Reina, et Neftan Naftali Ben Silka, Ben Silka Lea, Betor Shah, Rolé Israël. Si vous souhaitez vous aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet et Douyot, Père Exaïn Mishnah Tet, et Idrabi Nechounia Ben Goudgeda, Al Achreshet, Shehissia Avia, Sheyotza Beget, Val Ktana Bat Israël, Shinisat La Kohen, Sheyochelet Bat Rouma, Vimeta Bala Yorsha. ועל המריש הגזול שבנאו בבירה, שייתן את דמיו, ועל החטאת הגזולה שלא נודע לרבים, שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. נדונת משנה, התימניאש דו רבי נחוניה בן גודגדה, סיור כת פוען כפורם דו עדו, דו נולסדר נשים, הרפור, אבק ללואה דה מריאז' נפעם, דיבורס, הריטאז' הפיורטה, comme on va évoquer, deux halakhot sur ça, et deux halakhot qui sont en fait liés, ça touche en fait au takanot spécial qu'il y a eu par rapport au vol, et on va tout expliquer, Bezrat Hashem, on commence. Heid Rabbi Nechounia ben Goudgeda, Rabbi Nechounia ben Goudgeda a témoigné. Alachereshet sheisiya avia sheyotza beget. Alachereshet, c'est une sourde que son père a mariée, qu'elle pourra être divorcée en recevant un get. Et on explique tout de suite. De manière générale, on rencontre souvent dans le chasse Kheresh, Choté, Bekatan, le sourd, le fou et le petit. Le point commun de ces trois personnes est qu'ils n'ont pas un intellect développé. D'abord, le petit parce qu'il est encore petit, le fou parce qu'il est fou, et la Kherechette, vous allez me dire parce qu'elle est sourde, c'est vrai, mais pourquoi une sourde elle est forcément bête? Non, la raison elle est simple, c'est qu'elle n'a pas de contact avec l'extérieur, donc elle ne peut pas développer son intellect. De ce fait, ces trois personnes-là n'ont pas de da'at. Même s'ils ont une certaine petite conscience, ils sont sympathiques lorsqu'on leur parle, mais ils ne sont pas assez conscients. La grande nafkamina, la grande conséquence, c'est qu'ils ne peuvent jamais faire de kinyanim, ni acheter, ni vendre, selon la Torah. Bon, c'est, d'accord, concrètement, ils ne peuvent ni acheter ni vendre, étant donné qu'ils n'ont pas... Ouais, vous imaginez bien, un enfant, il vous fait un cadeau, et puis après, il vous donne quelque chose, et trois jours après, il veut le récupérer parce que c'est à lui. Il n'a pas compris qu'il n'a pas assez de date, il n'a pas assez de conscience assez forte, pour réaliser que ce qu'il fait ça a une importance et qu'il s'est séparé des choses, qu'il achète des choses, donc il n'a pas de date kinyan. De ce fait, un cheresh shoteh vekatan, un fou par exemple, il ne peut pas marier une femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date, il n'a pas de date kinyan. Lorsqu'on marie une femme, on achète la femme, et puisqu'il ne peut pas acheter, il ne réalise pas assez ce qu'il fait. Dans ce cas là il peut pas l'acheter. De ce fait, un fou ou une folle, ou bien un sourd ou une sourde de naissance, donc ils ne se sont pas développés intellectuellement, ils ne peuvent pas se marier selon la Torah. Il y a quand même une takana des Rabbanan qu'ils peuvent se marier mi des Rabbanan, mais pas mi na Torah. Pourquoi donc? Parce qu'on s'intéresse à une fille, à une femme sourde, de ce fait, elle ne peut pas se marier mi na Torah. Maintenant, on met ça de côté pour le moment et on passe à autre chose. Un père a un plein pouvoir de marier sa fille avec qui le veut. Il laisse une sorte de propriété qu'il a sur sa fille. Tant qu'elle n'a pas atteint sa majorité, qui sont 12 ans, elle n'est pas encore devenue Gdola, Nahara, elle est encore petite fille, le père peut décider de la marier. C'est lui qui actionne le Kinyan. En l'occurrence, un père d'une petite fille, bien sûr, puisqu'on parle de ça, ou bien un père d'une sourde, tant qu'elle n'a pas encore Nahara, elle n'est pas encore jeune fille, le père peut marier la sourde et elle sera mariée Minatora. La question maintenant, c'est le mari qui a décidé de se marier avec cette fille-là. Comment va-t-il pouvoir s'en débarrasser si toutefois il veut la divorcer? Est-ce qu'il peut lui donner un guet ou pas? On a dit que la fille ne peut pas vendre. Si elle ne peut pas vendre, elle ne peut pas non plus recevoir un guet. Parce qu'une femme qui reçoit un guet, puisque j'achète une femme quand je la marie, alors quand je la divorce, eh ben, elle se rachète elle-même. La chaîne de la Mishnah de la Kiddushin. Mais Kona et Tatsma, elle se libère de son mari, ça s'appelle qu'elle se rachète. De ce fait, si elle n'a pas de date kinyan, en théorie, une sourde ne pourrait pas être divorcée. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où elle a été mariée par la Torah, Mina Torah, elle était mariée puisque c'est son père qui avait plein pouvoir, et après il ne pourrait plus s'en débarrasser. Et bien il est venu Rabbi Nechounia ben Goudgeda nous apprendre que malgré tout, elle peut recevoir son get Min HaTorah. Pour quelle raison? Étant donné qu'il y a quelque chose de très particulier dans le get, c'est que le mari ne demande pas la vie à sa femme pour la divorcer. Il peut divorcer une femme Baal Korcha. Même une femme qui ne veut pas divorcer, le mari vient et lui donne le guet dans la main et c'est tout, il s'est séparé d'elle. Alors que si je voudrais lui vendre
une maison, je ne pourrais pas lui vendre Balkocho, même lui faire un cadeau, parce que j'ai besoin de son date. Donc, puisque dans le get, il y a cette particularité que ça fonctionne sans son accord, on n'a pas besoin de son accord, de ce fait, on peut divorcer une petite fille. La Gemara, dans Kiddushin, elle précise quand même quelque chose d'important, à condition quand même qu'elle pourra être Shomeret Gita. C'est-à-dire que dans sa tête, elle a bien compris que son mari, dans sa petite tête, elle a compris que son mari, il s'est fâché avec elle, il ne veut plus la voir. Elle ne va plus revenir chez lui. Par contre, si elle va revenir constamment chez lui, alors là, on en a d'autres problèmes. D'accord ? Mais en tout cas, par rapport au problème du Dat Kinyan, assez de conscience pour pouvoir faire fonctionner un Kinyan, ça marche parce que le mari peut divorcer sa femme, Balkocha. D'accord ? C'était la première halakha. Deuxième halakha qui touche toujours aux lois des Seder Nashim. Ve'alaktana bat Israël sheniset la Kohen. Shei ochelet bitrouma. Comme ce qu'on a dit, une petite fille ne peut pas se marier. Le père a un plein pouvoir pour marier la fille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le père est décédé? Donc, est-ce que la mère et les frères, les grands frères et grandes sœurs, est-ce qu'ils ont aussi un pouvoir de marier cette fille ou non? Selon la Torah, non. Mais des rabbanan, oui. Pour que cette pauvre petite orpheline, qu'on l'envoie pas dans l'hospice, je sais pas comment ça s'appelle, pour le Beth Yetomim, quoi, qu'on l'envoie pas dans la maison des orphelins, à l'orphelinat, voilà. Pour qu'on l'envoie pas à l'orphelinat, ils ont envie de la marier à quelqu'un, et quelqu'un qui est prêt à la marier. Chachamim ont fait une takana qu'on pourra marier cette fille-là, elle sera mariée que midrabanan. On l'a évoqué récemment, quand on avait parlé des mi-ounin, car ensuite, quand on atteint la majorité, elle peut, si elle veut, refuser de rester avec ce mari. Là, c'est pas notre problème. Notre problème maintenant, il est qu'ils ont marié cette petite fille à un Kohen. Cette fille-là, c'est une bat Israël. Elle est des autres tribus, mais pas une Kohenette. Elle se marie avec un Kohen. La question maintenant de notre Michel est de savoir est-ce qu'elle a le droit de manger la Trouma ou non, puisqu'elle n'est pas encore une Kohenette. Moi, si je suis en Israël, si je vais manger de la Trouma, je suis Chayav Mitabi de Shamaim. On n'a pas le droit de manger de la Trouma. De ce fait, cette fille-là, certes, Chachamim sont venus et ont décrété qu'elle va pouvoir se marier. Mais en théorie, elle ne pourrait pas manger de Trouma. Et bien, regardez la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit. Très étonnant. Ve'alaktana bat Israël chez Niset la Kohen. S'il y a une petite fille bat Israël, des autres tribus, chez Niset les Kohen, qui se marie avec un Kohen. Eh bien, chez Yochelet bitrouma, elle aura le droit de manger la Trouma. On s'attire tout de suite et on explique un petit peu comment c'est possible. En fait, on parle que Trouma bismanazem idarabanan. À notre époque, le devoir d'afrachat, tromot ou massa, de prélever les tromot, ce n'est que midrabanan. Et étant donné que c'est que midrabanan, chachamim ont la force d'interdire de manger si on ne prélève pas, mais aussi la force de permettre et de considérer que ce mariage est un mariage suffisant pour pouvoir manger cette tromma midrabanan. D'accord? Chachamim, et le grand chidouche, il est qu'on ne veut pas être gozer de manière générale. Chaque fois que chachamim ont décrété une chose, ils se débrouillent pour donner ensuite les mêmes conditions que les interdits de la Torah. Et bien cette fois-ci, on ne fait pas de takana d'interdire de lui manger la trouma midrabanan, de peur que si toutefois le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, va être reconstruit prochainement, elle va se faire manger la trouma midoraita. On ne craint pas une chose pareille. De ce fait, dans la trouma de Rabanan, on lui permet de manger. Et il y a encore un deuxième chidouche, regardez, il y a un chidouche encore plus grand. Vimeta Bala Yorsha. Et si. Non, ce qu'il y a écrit ici, c'est pas. Ce qu'il y a écrit ici, c'est simple. La conséquence de ça, c'est très grande. Vimeta Bala Yorsha, si cette petite fille meurt, son mari pourra l'hériter. C'est-à-dire, de manière générale, un homme hérite des biens de sa femme. Une femme qui décède, le mari hérite ses biens. Lorsque ce mariage n'est que midrabanan, Chachamim ont décrété, écoute, on considère ce mariage, on le valide totalement pour te dire que c'est ta vraie femme. De ce fait, si elle décède, eh ben, il pourra hériter des biens de cette petite fille. Là encore, c'est pas très engageant. Le grand chidouche de ça, il est que si son mari, c'est un Kohen, puisqu'il va pouvoir l'hériter, il aura même le droit de partir s'impurifier pour l'enterrer. Vous savez bien qu'un Kohen n'a pas le droit d'entrer au cimetière, sauf pour ses sept proches. Son père, sa mère, son frère, sa sœur qui ne s'est pas encore mariée, son fils, sa fille, et sa femme. Or, cette femme-là, c'est pas sa vraie femme Minatora, c'est sa femme que Midrabanan. Et bien malgré tout, Chachamim lui ont permis de s'impurifier. Et alors comprendre ça, c'est assez complexe. Il y a un long Tiferet Israël. Une première option, c'est d'expliquer que c'est un met mitzvah, en fait. On va pas rentrer dans, c'est trop compliqué. Je soulève la question, si ça vous intéresse, approfondissez. Vous avez un beau Tiferet Israël ici qui dit un très grand chidouche. D'accord ? Donc, on a fini les deux à la halakhot. Premièrement, l'histoire de la sourde, que si le père l'a mariée, eh ben, le mari pourra ensuite lui donner son guet, parce qu'il la divorce Baal Kocha. La deuxième halakha, c'était donc l'histoire
de la petite fille Bat Israël qui était mariée à un Kohen, que elle pourra manger la Trouma Midera Banan et son mari pourra même aussi hériter ses biens. Maintenant, on va passer dans un autre sujet, dans les Nezikin, dans les lois de Xéla, des vols. Valamarish Agazul Shebna Obabira est sur une poutre volée qui a été construite dans une bira, un palais ou une maison, une belle maison. Shiten et Damav qu'il pourra donner sa contre-valeur. De quoi on parle exactement? C'est pas compliqué. Loi de Gezel, Ilchot Gezel d'abord. Lorsque je vole quelque chose, alors j'ai le devoir de Veshiv et Exela Asher Gazal, j'ai le devoir de rendre ce que j'ai volé. Si j'ai volé ce livre, eh bien je dois rendre ce livre. Si maintenant ce livre me plaît, ça fait déjà 20 ans que je l'utilise et je le kiffe, je l'apprécie énormément, je voudrais payer sa valeur, eh bien j'ai un devoir de rendre l'objet lui-même, ne pas rendre sa contre-valeur. Dans la mesure où l'objet est encore chez moi, tel quel. Il y a des halakhot particulières lorsque je fais un chinouille, si je le modifie, si je le prie de la farine, je le transforme en pain, j'ai plus le devoir de rendre le pain parce que c'est ce qu'on appelle chinouille koné. D'accord? Ceux qui se souviennent de Baba Kama, Perek Zain et Perek 10 de Baba Kama, on a parlé longuement de tout ça, on va pas revenir dessus. Donc ça, c'était pour les ilchot de Xela. En tout cas, tant que l'objet il est Be'ein, il est dans sa forme telle qu'elle, j'ai le devoir de rendre cet objet et pas autre chose. En théorie, imaginez que j'ai volé une grosse poutre et que ensuite je l'ai utilisé pour construire ma maison, mais la poutre, elle est là, elle est dans un mur. Je peux facilement casser la maison et récupérer la poutre. Et bien, selon la loi stricte de la Torah, j'ai le devoir de casser la maison et de lui rendre la poutre. C'est-à-dire, même si je n'ai pas le choix que de détruire toute la maison pour la récupérer, étant donné que la poutre, elle est là, je dois lui rendre. Chachamim sont venus et ont dit, écoute, il y a un grand problème. Les gens, les voleurs, ils vont vouloir faire tchouba, et quand ils vont réaliser que c'est trop dur de faire tchouba, ils vont vouloir détruire toute la maison, il va se dissuader, il va dire non, allez, c'est trop compliqué, laisse tomber, on verra dans un prochain Gilgul. Alors pour ne pas arriver à une situation pareille, Chachamim nous ont dit non, tu sais quoi, on va faire une takana. Que tout celui qui a pris, qui a volé une poutre, qu'il a déjà construite dans sa maison, alors a posteriori, il pourra payer la contre-valeur et garder la poutre. D'accord? Si ça vous intéresse, quand même, une petite alerte qui est apportée dans le prochain Mishpat, Siman Shin, je ne sais plus, Shin Memchet, ou peut-être Shin Samerbet, je ne sais plus. En tout cas, dans l'Ilchot Gzela, en tout cas, c'est rapporté, c'est qu'à l'endroit où ça apparaissait Takanata Shavim, c'est rapporté que celui qui a volé du terrain et qui a construit une maison, c'est fréquent, s'il y a deux voisins en Israël, on construit beaucoup. Et malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui débordent chez le voisin. Sur ça, il n'y a pas Takanata Shavim. Même après 20 ans, s'il veut faire Tchouba, il faut lui dire bah, tu sais quoi, t'amènes un tracteur et tu casses ta maison parce que pour le moment, tu es sur mon terrain, j'ai pas de devoir de vendre le terrain. D'accord? La takana, elle était faite uniquement sur les biens mobiliers que l'on peut en théorie voler et acheter, et pas sur les biens immobiliers. Attends, on referme la parenthèse et on continue sur notre Mishnah qui est relativement longue. Il reste encore un quatrième sujet, donc c'était clair. Ouais, on a conclu ce troisième. C'était la fameuse takanat hashavim. La takanat hashavim, c'est la takana, le décret qui a été fait pour les shavim, ceux qui sont shavim bitchouba, ceux qui veulent faire tchouba, pour leur faciliter la tâche. On a décrété donc qu'ils pourront payer la contre-valeur. Quatrième halakha. ולחטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. On traduit d'abord, on parle d'un corban chatat, mais qui a été volé. שלא נודעה לרבים, de manière à ce que ça n'a pas été connu que c'était du vol, ce corban chatat, cette kisba, cette brebis. שהיא מחפרת, cette chèvre, ça peut aussi être une chèvre, kisba ou seira, cette chèvre, et ben malgré tout, elle était volée, et il a rendu en corban, et bien il mechaperet. Elle va quand même lui expier sa faute. Mipenei, tikkun, amisbeach. Chachamim se sont souciés pour le bon fonctionnement du misbeach. Et on explique un petit peu parce que là on ne comprend rien. On parle en réalité qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire tchouba. Il a transgressé Shabbat par exemple. Donc il doit apporter une kisba au seira, une brebis, une chèvre. Donc il a décidé de prendre une petite chèvre. Le problème c'est qu'il a pris une chèvre volée. Monsieur fait tchouba, mais par rapport à Hachem, pas par rapport à ses voisins. D'accord? Ça arrive, malheureusement. Beaucoup de gens comme ça, ils font très attention aux mitzvot chez Ben Adam Lamakom, mais pas tellement chez Ben Adam Lachavero. Ils sont capables de voler même pour apporter un korban au Beit HaMikdash. Ça peut arriver. En tout cas, on parle de ça justement. Il y a quelqu'un qui a pris un korban khatat, il a pris une chèvre, la chèvre du voisin, il l'a volée, et puis ensuite il l'amène en korban khatat pour s'expier sa faute. Maintenant, il va l'amener au Mizbeach, au Beit HaMikdash, les Kohanim vont la prendre, vont l'égorger, vont l'apporter en korban khatat, ils vont manger la viande, ils vont donc lui faire comme ça son korban khatat. Imaginez maintenant qu'après 3-4 jours, d'un coup ça sort dans tous les gros journaux que le monsieur qui a fait tchouva, en réalité il volait les chèvres des voisins. De ce fait, les Kohanim vont se dire oi oi oi, vous vous rendez compte,
on a mangé une chèvre qui était, si la chèvre elle était volée, donc le korban n'a pas été un korban, parce que je peux pas moi décider de rendre kadosh, de sanctifier une chèvre qui n'est pas la mienne. Donc si je l'ai volée, c'est pas la mienne, je peux pas la rendre kadosh. Ouais, s'il n'y a pas eu Yehush et tout ça, pour ceux qui se souviennent de Baba Kama, en tout cas je peux pas la rendre kadosh. De ce fait, vous imaginez la catastrophe, j'ai maintenant apporté un korban au Beth Amikdash, et il s'avère qu'en fait, elle n'était pas kadosh. Donc en fait, ils se sont mis à égorger une chèvre au Beth Amikdash, à lui jeter le sang sur le misbéach et à manger sa chair, alors qu'on n'a pas le droit au Beth Amikdash de manger de la viande qui n'est pas kadosh. Autant qu'on n'a pas le droit de manger de la viande kadosh à l'extérieur du Beth Amikdash, chacun son domaine. La viande chol, elle rentre pas au Beth Amikdash, la viande kadosh, elle sort pas du Beth Amikdash. Ou du Yerushalayim, chacun selon sa règle. De ce fait, les Kohanim, ils vont commencer à dire « Oh là 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 là, c'était pas kasher. Je t'avais dit, la prochaine fois qu'il y a un Baal Tshuva patibulaire comme ça qui débarque, bien, on lui présente plus son korban. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, si vous allez pas arriver au Beth Amikdash avec une grande barbe, des grandes péotes, un beau chapeau, et même ça encore, on sait même pas, eh ben, les Kohanim, ils vont plus vouloir faire le korban, parce qu'allez savoir si finalement celui-là, il a pas volé la chèvre du voisin. Alors, pour le bon fonctionnement du Beth Amikdash, Rami, ils ont dit, tu sais quoi ? Tout korban khatat qu'on apporte, nous, on a la force, Chachamim, de faire, c'est lié, j'ai oublié de le préciser, Chachamim, il y a ce qu'on appelle un Hefker Bet Din Hefker. Les Chachamim ont la force de décréter que telle chose, elle ne m'appartient plus, elle vous appartient à vous. Ils peuvent décider que ce livre vous appartient à vous. C'est discuté, mais en tout cas, c'est retenu comme ça. Hefker Bet Din Hefker, les Chachamim ont la force d'arracher ma propriété, d'annuler ma propriété, et même de la donner à quelqu'un d'autre. Donc les Chachamim sont venus, et ont dit, tu sais quoi, autant que dans la poutre en haut, on va décider que tu n'as plus le devoir de la rendre, c'est plus la poutre de un tel, c'est devenu ta poutre. Idem aussi ici, on va dire que ben, c'est plus la chèvre de M. Seguin, c'est la chèvre, c'est la tienne, pour que tu fasses ta capara avec. Chachamim ont la force, donc, d'annuler la propriété de l'autre et de faire que c'est devenu ta chèvre, et donc ton korban khatat, c'est un bon korban khatat. Après, bien sûr, tu payeras, bien évidemment, le prix de la chèvre au voisin, mais en tout cas, a posteriori, une fois que tu as volé la chèvre pour l'apporter en korban, a posteriori, c'est devenu un vrai korban khatat, et comme ça, les Kohanim, ils pourront manger et être tranquilles et être très contents d'avoir apporté un korban sans avoir ensuite des remords sur le fait d'avoir apporté peut-être une chèvre volée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, salam.